Un camion qui quitte une aire d'autoroute désertée avec ses restaurants fermés, c'est le quotidien actuel des routiers. Alors, quand au détour d'un parking, une lumière allume votre soirée, vous accourez. Bonsoir. Ah, il paraît que vous offrez des bonnes choses. Oui, tout à fait. Alors, bah, écoutez, bah, dites-moi ce que vous proposez. Alors aujourd'hui, c'est sauter de veau aux olives avec des penne rigate. Pascal arrive de Bordeaux. Demain, il sera en Italie. Ce repas chaud est un réconfort à sa solitude de ces derniers temps. C'est sympa parce que franchement, la vie de routier en ce moment, c'est pas facile, quoi. C'est mieux que mon 11 novembre par hasard, quoi. Mon 11 novembre, je suis arrêté à 21h, j'avais eu le droit qu'à une aire d'autoroute parce que les routiers ouverts, c'est pas sur mon chemin. Quoi. Et voilà. Je vous remercie bien. Merci. Allez, merci. Bon au appétit. Au revoir. Merci. Les camionneurs se succèdent les uns après les autres sur cet axe très fréquenté entre l'Espagne et l'Italie. Les étrangers sont nombreux, les chauffeurs portugais ou italiens n'en croient pas leurs yeux. Une idée juste, pense. Quelle bonne idée, c'est pratique et généreux pour nous, camionneurs. Je vais dormir 10 heures avec le ventre plein. Demain, j'ai énormément de route. Je suis content. Le gouvernement ne fait rien pour nous au Portugal. Il n'y a aucune aide, à la différence de la France. C'est bon, c'est gratuit, c'est super. Quand je vais raconter ça à mes amis. C'est un couple varois qui assure le service. Ils ont été mandatés par la société d'autoroute. Coralie et Jérémy ont l'impression d'être utiles. Des fois, ils veulent nous payer. On leur dit non, c'est offert, c'est gratuit. Non, du coup, ça les touche même tellement. Des fois, on a vu des routiers, ils étaient émus aux larmes. Donc, c'est vrai, ça fait plaisir. Bonne soirée. L'opération sera renouvelée tous les jeudis soirs ici, mais aussi à côté de Fréjus. Boissons et desserts compris. Sympa, forcément, pour les routiers.